بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Au nom d'Allah, par qui nous sommes ici, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence, gloire, louange à Allah le Très-Haut, le Seigneur et Maître absolu, suprême, incontesté et incontestable de l'univers, exalté soit-il, et que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons tous ensemble. Soyez salués par la salutation qui transcende toutes les barrières linguistiques, qui que tu sois, de quelque race, nationalité, ethnie, tribu, que tu sois, tant que tu es musulman, le problème de langue ne se pose pas à vous quand il s'agit de se saluer, parce que la salutation que je prononce ici est au-delà des barrières linguistiques, mais aussi qui transcendent les barrières régionales, d'où qu'on soit, où qu'on soit, et même les barrières de nombre, qu'on soit seul ou nombreux, cette salutation va au-delà aussi des barrières temporelles, que ce soit le matin, en pleine journée, dans l'après-midi, en pleine nuit, elle ne varie pas comme son émetteur ne varie pas, à savoir « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh » qui est aussi une prière, une bénédiction qui signifie « Assalam » que la paix « Alaikum » soit sur vous. Et ça peut aller jusqu'à « Wa rahmatullah » ainsi que la miséricorde d'Allah « Wa barakatuh » et sa bénédiction. Qu'on soit seul, on est salué, assalamu alaikum, on salue, assalamu alaikum. Qu'on soit de quelque ethnie ou race, comme je l'ai dit, assalamu alaikum suffit pour nous unir. Et qu'on soit au matin ou au soir, dans la nuit, dans la journée, ça ne varie pas, on dit assalamu alaikum toujours. Qu'on soit au pôle Nord ou à l'Antarctique ou au Groenland, c'est assalamu alaikum et ça se répond wa alaikum salam invariablement, tout comme le Seigneur qui nous l'a offert est invariable avec son nom Allah. Le nom Allah n'est ni au masculin, ni au féminin, ni au singulier, ni au pluriel, il est invariable. Cela dit, j'aimerais que on s'écoute. Nous ne sommes pas nombreux, mais notre bruit il est grand. J'aimerais qu'on s'écoute. Je suis le seul à parler devant vous tous. Si vous tous, vous devez parler, ma seule petite voix, là, malgré le microphone, ne va pas vous parvenir comme il se doit. Je pense que j'ai été invité. Donc, une invitation doit être soutenue par aussi l'honneur. Il faut aussi un peu de révérence et de déférence à l'égard de celui qu'on invite. Surtout pour venir parler, mais quand ça ne me suit pas, le photographe est là, l'organisation, bon, regarde. C'est sans orgueil, hein, excusez-moi, sans orgueil, ni vanité, ni prétention, mais moi, quand c'est comme ça, je dépose le micro et je m'en vais, quoi. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, à qui je dois parler. Donc, s'il y a du bruit, ne soyez pas étonnés de voir que je dépose le micro, je prends ma voiture, je m'en vais. Wallahi, c'est comme ça que je me comporte souvent. Salam alaikum wa rahmatullah. Ambalma muso imamu mana awli ma. Awli sa imamu wuli kaila kuma
pour nous faire donc, ni moi avec elle, moi-même, moi-même. Ni comme vous voulez, à 4 ans, il est écran qui a attiré la mort pour rien, à la main, qui m'a envoyé le voilà. N'a pas pensé qu'à la main, il y a eu pour placer sa cata au pied de la paille. Cata moukan en rap mal, donc moi-même, moi-même. N'a pas pensé qu'à Savary, qu'elle m'a envoyé la main, à l'huile pour la mita. Chikachiao, Baragacha. Merci. Donc, cela dit, le thème qui m'a été donné à développer ici, devant nos deux heureux unis, c'est les secrets pour la réussite d'un foyer conjugal. D'entrée de jeu, j'ai pris Allah Ta'ala de bénir cette union, de mettre sa baraka, sa miséricorde, sa clémence, sa compassion, son affection, son attention sur les deux mariés, mais aussi dans leur foyer. Qu'Allah mette une atmosphère paisible et viable dans le foyer. Et par-delà eux, tous ceux qui se sont mariés auparavant, qui sont en train de se marier en ce jour, et qui sont en projet de mariage même dans les jours à venir, qu'Allah mette la baraka. Et même ceux qui sont en instance de mariage, qui ne se sont pas encore décidés, qu'on appelle généralement les célibataires, qu'Allah leur accorde l'âme sœur convenable. À nos sœurs, qu'Allah leur accorde le bon mari. Et à nos frères, qu'Allah leur accorde la bonne femme et les moyens surtout de réaliser ce rêve. Maintenant, pour revenir à mon thème, c'est un peu, je dirais, trop osé. C'est un thème qui est très, très osé. Cela veut dire quoi? Les secrets pour réussir un foyer. Ça pourrait paraître aussi merveilleux que de venir s'asseoir et puis on énumère les secrets comme si déjà c'était des choses toutes faites dont on peut se servir pour réussir son foyer. Comme de la même manière qu'on prépare un examen, on étudie ses leçons, on les apprend, on les mémorise et puis on révise, on s'en va à l'examen, ça marche. Non, le foyer, ses secrets se révèlent, se dévoilent lorsqu'on l'a constitué, pas avant de l'avoir constitué. Et donc, ce serait prétentieux, moi, de ma part, de venir m'asseoir là et puis vous énumérer, vous citer, voilà ça, voilà ça, voilà ça, non. Maintenant, pour aller dans le vif du sujet, je dis que pour fonder un foyer, ça s'adresse à moi-même qui parle, à l'imam Kone Aboubakar, à l'imam Konate qui vient de faire la lecture du Coran et à l'imam Sankara, ainsi qu'à tous ceux qui sont là, même nos pères, nos mères, ça s'adresse à nous tous. D'abord, pour se marier, il faut réaliser le pourquoi de se marier, sinon ça ne sert à rien. Parce qu'un objectif est toujours soutenu par des moyens de l'atteindre. Quand on n'a pas d'objectif, on n'a pas de démarche. Donc, un foyer obéit à un objectif. Lorsque on veut réussir dans quelque chose, on doit se poser la question de savoir pourquoi je veux me marier. Ça, c'est le grain, ça, c'est la semence, c'est la racine. Or, quand nous regardons aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages, mais beaucoup plus de divorces. Il y a toujours des échecs. Si nous constatons chaque heure un mariage, nous allons constater chaque minute un divorce. Ça veut dire dans l'heure, au moment où on célèbre un mariage, il y a 60 divorces. Si chaque minute, il y a un mariage qui est célébré, nous allons constater au regret très amer
que chaque seconde, il y a un divorce. Ça veut dire en chaque minute, s'il y a un mariage, il y a 60 divorces. Si chaque semaine, chaque jour, il y a un mariage, c'est chaque heure qu'il y a divorce. Ça veut dire par jour, s'il y a un mariage, il y a 24 divorces. On peut aller comme ça, dire chaque semaine, s'il y a un mariage, chaque jour, il y a un divorce. Chaque année, s'il y a un mariage, chaque mois, il y a un divorce. Ça veut dire le nombre de divorces est toujours plus grand. Mais pourquoi alors? Alors que quand nous faisons l'état des lieux, nous constatons que généralement, ceux qui se lient en mariage se sont librement et volontairement aimés, de nos jours en tout cas. Quand bien même, l'idée de mariage forcé est à tort attribuée à la communauté musulmane, à l'islam, c'est tout à fait le contraire. Quand bien même cette idée-là est attribuée à l'islam, le mariage forcé, ça n'a jamais été un des principes ni même une des valeurs de l'islam. Le mariage forcé n'a jamais existé en islam. Jamais, jamais. C'est culturel. Mais comme ceux qui pratiquent ce type de mariage sont pour la plupart de la confession musulmane, de façon claire, nos parents nordistes, il y a eu un amalgame, une confusion entre la culture et la religion, entre la tradition, la coutume et la religion. Et même, parfois, la coutume prend le pas sur la religion, mais cela revendique l'islam. Donc, dans leur manière de faire, c'est l'étiquette de l'islam qui leur est collée. Donc, quand ils donnaient nos sœurs en mariage par la force, par certaines affinités, automatiquement, ces mariages encore sont célébrés à la mosquée devant les imams. Du coup, naturellement, les gens diront que c'est un mariage forcé. Et ça se colle à l'islam. Sinon, en islam, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'on ne marie une jeune fille qui n'a pas connu de mariage dans sa vie. On ne la donne en mariage qu'avec son consentement. Et son consentement, il a été demandé comment obtenir son consentement. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, son consentement, c'est son silence. Pourquoi son silence? Par pudeur, par décence. Quand ses parents l'appellent pour lui dire qu'un tel homme demande ta main ou une telle famille demande ta main pour leur tel fils, les parents, quand ils soumettent ça à la fille et qu'ils ont créé les conditions pour qu'elle voie le monsieur, le jeune homme, ils lui demandent une fois, après un intervalle de temps, deux fois, trois fois. Généralement, le professeur Sassan ne parle pas sous l'effet de la passion, il ne parle pas de lui-même. Il connaît l'homme parce que le concepteur et le créateur de l'homme, c'est Allah. Et Allah lui a dit comment est le fonctionnement de l'homme. Comme un appareil, c'est son concepteur, son inventeur qui connaît mieux son mécanisme de fonctionnement. Donc Allah connaît comment fonctionne l'être humain, notamment la jeune fille dans ce contexte. Donc il a dit que son silence équivaut à son consentement parce que la fille qui n'a pas connu le mariage, généralement même, c'est la fille vierge qui ne connaît rien du tout. Elle a du mal à dire à ses parents, j'aime un tel. Elle a du mal à le dire. Donc par pudeur, elle ne peut pas dire oui, je suis dedans ou non, je ne suis pas dedans. Mais son silence équivaut à son consentement. Mais ce n'est pas d'un coup. On peut lui donner deux ou trois jours, on revient à la charge, en un temps encore, on revient à la charge, on revient à la charge. Quand on sent que vraiment elle ne dit pas, je n'en veux pas. Bon, on donne ok, c'est comme ça l'islam. Mais elle est consultée. Pour la femme qui est mariée, qui a déjà connu un mariage, soit qu'elle est veuve ou qu'elle est divorcée et elle veut se remarier, elle, son consentement doit être explicite, ouvertement déclaré devant ses parents. Après cela, le mariage est proclamé, est célébré. Mais donc, je dis, ça c'était dans le temps où nos parents avaient plus de foi, mais moins de connaissances religieuses.
et ils étaient sincères dans la pratique religieuse. Ils avaient un engagement inconditionnel, mais avec peu de bagages intellectuels, peu de sciences religieuses. Donc, c'est la religion qui avait pris le pas. Mais ils étaient sincères. Ils croyaient bien faire selon la religion. Mais nous, de nos jours, la science s'est développée de toutes les manières et à plusieurs niveaux. Mais c'est la foi qui s'est amenuisée, c'est la foi qui a baissé. Nous avons beaucoup d'érudits, mais moins de pieux. Moins de sincérité dans notre pratique. Nous, les gens des derniers temps, nous les imams, nous les musulmans des derniers temps, nous sommes plus instruits, communicateurs, éloquents, dans la parole, mais pas éloquents dans la moralité, ni dans le comportement, ni dans la sincérité. Donc, dans ce sens, aujourd'hui, je vais vous dire qu'il est rare de voir que deux jeunes Jean, un jeune homme, une jeune fille, se marie par la force. Aujourd'hui, là, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et donc, pour se marier, on s'est aimé d'abord. Au point même que, avant le mariage, on ne peut pas passer une heure sans s'appeler, une nuit sans s'appeler avant de se coucher, bébé. Ça va, je voulais entendre seulement ta voix avant de dormir. Ta voix me berce. Ta voix me dorlote. On se dit toutes les belles paroles. On s'envoie les beaux textos, les bons vocaux, ainsi de suite. C'est les futurs opposants qui sont là comme ça. Mais une fois qu'ils sont liés au mariage ou par le mariage, quelques temps après, si je savais, je n'allais pas le faire. Si c'était à refaire, je n'allais pas refaire. Tu m'énerves. Tu penses que toi aussi tu me plais, ça va au divorce. On oublie qu'ils se sont dit « je t'aime une fois au moins ». Mais pourquoi? C'est parce que ceux-là se sont mariés par amour et pas par raison. Je vous le dis, il y a plusieurs manières de classer le mariage. Mais moi, j'ai classé en deux grandes catégories. Et dans les deux grandes catégories, il y a des sous-catégories maintenant. Le mariage, il y a le mariage de raison. Et puis, il y a le mariage d'amour. Le mariage d'amour, c'est un mariage artificiel, superficiel. Tout se fait par l'apparence. Elle me plaît par la forme, par le teint, par la taille, par la voix. Il me plaît par ci. C'est des considérations matérielles et physiques. C'est pas mauvais. Ça peut être financier, même financier, parce qu'il est nanti, ou bien il a de la renommée. Elle a une bonne position, un bon statut social, ainsi de suite. Donc c'est des mariages d'intérêt en quelque sorte. Mais tout ce qui se fait dans ce contexte-là est éphémère. Et puis c'est illusoire, vous vous trompez au fait, vous rêvez. Mais le second groupe, c'est le mariage de raison. Si je dois me marier, je dois établir pourquoi je veux me marier. Et si je sais pourquoi je veux me marier, j'arrive à trouver le bon partenaire ou la bonne partenaire. C'est comme ça que ça se fait. On ne voit pas comme ça dans la rue, c'est pas du concubinage ni du copinage. Où on voit une soeur, un frère dans la rue, c'est mon genre, il me plaît, le look me plaît, c'est mon coup de cœur. Oui, mais après, ça sera ton coup de cauchemar. Donc, il ne faut pas aimer avec passion, mais il faut aimer avec raison, avec rationalité, avec intelligence, avec retenue, avec réserve. Et ça nous donne non seulement de la personnalité, mais aussi ça nous assure de la responsabilité. Quand on s'engage dans le mariage, on assume. C'est là qu'on parle pour le meilleur et pour le pire. Sinon, l'autre côté, c'est pour le meilleur et le meilleur. Le pire, quand ça commence à pointer du doigt, comme les nuages qui annoncent une pluie, vous allez voir que les querelles vont commencer. Donc, il faut savoir d'abord pourquoi je me marie. Ça, c'est très important. Et quand on se donne un objectif, on surmonte la colline.
du mariage. C'est ce qui va nous amener à donner des bribes, entre guillemets, de secret. Un, lorsqu'on se marie avec quelqu'un ou quelqu'une, on doit se mettre à l'idée que c'est un engagement devant les hommes et devant Allah que nous avons pris. Et en cela donc, un engagement, ça s'assume. Ce n'est pas un essai comme des logiciels, des applications qu'on nous donne. On dit essai pendant 7 jours, 30 jours, c'est un test. Non, non, le mariage n'est pas un test. Et donc, lorsqu'on s'est marié, on doit se dire que c'est ma partenaire pour la vie. C'est mon partenaire, mon mari pour la vie. Ça, c'est important. Parce que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'ilmar atisitran, pour la femme surtout, elle n'a que deux demeures sur la terre. Quand on cherche une femme, à Zawj, on demande où se trouve la maison de son mari, où est-ce qu'elle est mariée. C'est là-bas on se rend. Welcome. Si tu arrives là-bas, on dit elle n'est plus ici, il faut demander où se trouve sa tombe. C'est-à-dire de chez tes parents. Tu ne dois te retrouver nulle part ailleurs que chez ton mari. Si tu n'es plus là-bas, tu ne dois te trouver nulle part ailleurs que dans la tombe qui est ta dernière demeure ici-bas, mais la première demeure de l'au-delà. Une femme ne va pas chez son mari avec l'espoir de revenir chez ses parents. Quand on va avec cet état d'esprit, le mariage a échoué à la base. Ça, c'est un. Dis-toi que je vais foncer, ça passe ou ça casse. J'avance, c'est mon choix, je l'assume. De la même manière, un homme, quand tu prends une femme, c'est comme ça. Ça, c'est un. Secondo, lorsqu'on doit se marier, évitons de mentir, évitons d'être hypocrite, évitons de paraître. Il faut être naturel, sincère, soi-même. Le mensonge fait rentrer la femme, mais ça ne la retient pas dans la maison. Tu mens, tu te donnes des titres, tu te donnes un certain niveau de vie, un certain état d'esprit. Moi, je suis, moi, je suis, moi, je suis. En tout cas, si on se marie, moi, je ne vais pas te faire comme ci, je ne vais pas te faire comme ça. Évite de trop promettre quand tu veux te marier. Même quand tu as les moyens de faire ce que tu veux, et même mieux, ne fais jamais de promesses mirobolantes à la femme. La femme aussi ne doit pas se commenter devant l'homme. Moi, si tu m'as prise là, non, tu sauras que tu as pris femme. Ça ne se dit pas. Les actes parlent plus que les mots. Agissez et laissez votre action militer parler à votre place. Soyez humble. Parce que le mensonge fait rentrer la femme. Mais ça ne la maintient pas. Si c'est l'homme qui a menti pour faire rentrer la femme, la vérité va la faire partir. Si c'est la femme qui a menti pour rentrer, la vérité va la refouler dehors. Soyez sincère. Et ensuite, lorsqu'on est marié, il faut aussi communiquer. Il faut communiquer. Il faut se parler franchement, mais avec respect. La femme respecte l'homme aussi bien que l'homme respecte la femme. Ils se doivent même respect mutuel. C'est comme quelqu'un qui monte au sommet d'une montagne. Quand il regarde en bas, il voit les gens petits, minuscules. Mais quand ils sont en bas, ils te voient aussi petit en haut là-bas. Si tu montes en haut, pardon, si tu vas en haut, toi, l'homme, tu dis, c'est moi le chef. Et que tu vois la femme moins que rien parce que c'est toi qui la nourris, qui la soigne, qui l'habille, qui l'entretient, qui l'héberge, qui la protège, qui la. Tu penses que c'est un exploit que tu as réalisé, tu n'as rien fait. C'est comme un gardien de but qui dit, non, sans moi, penalty, il allait rentrer. Mais tu es là pour voir. Sans moi, mon vieil, j'allais mettre beaucoup de buts. Hein. En tant que gardien de but, tu dis ça, tu n'as rien dit. C'est naturel. Quand un homme doit s'occuper de la femme, c'est naturel. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 4, les femmes, verset 32, il dit, « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa
Les hommes ont l'autorité, la responsabilité sur les femmes. Il n'a pas dit les hommes sont mieux en valeur que les femmes. Il dit ils ont une responsabilité, une distinction. Pour deux raisons. Bima fadlallahu ba'dahum ala ba'd. Pour le simple fait que c'est Allah qui a choisi de conférer cette responsabilité à l'homme, de lui accorder cette faveur, ce privilège. Ça, c'est ce qui revient d'Allah. Mais la seconde chose, c'est ce honneur qu'Allah t'a fait là que tu dois mériter. Wa bima anfaqu min amwalihim. Et pour ce qu'ils ont dépensé de leur argent pour épouser la femme, mais pour la soigner. C'est irresponsable qu'un homme s'asseye avec sa femme pour dire on partage les charges. L'islam condamne ça, je le dis haut et fort, et je mets au défi quiconque de venir, on va s'asseoir à la lumière des textes. Pour dire qu'on doit s'asseoir, moi je paye l'eau, toi tu payes courant. Moi je paye le sac de riz, toi tu payes la popote. Moi je paye l'école, les enfants, toi tu payes leur si. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est de gré la femme aide son mari. Et c'est souhaité, c'est recommandé. Maintenant par l'islam, c'est encouragé par l'islam. Mais ce n'est pas un des principes de l'islam. Quand on ne comprend pas l'islam, on le vilipende. Quand on est un mauvais ambassadeur de l'islam, on présente l'islam comme un cauchemar. Alors que c'est un rempart. Il n'y a pas de partage de charges en islam. Allah dit, il t'a donné cette responsabilité-là, il faut la mériter par l'action. Même dans le même Coran, Allah dit aux femmes leur bien, aux hommes leur bien. C'est l'homme qui prend son argent, son salaire, il entretient la femme. La femme, même si elle est présidente de la République, son salaire lui revient intégralement. Elle n'est pas obligée. Il dit, elle n'est pas obligée, mais elle est encouragée, exhortée à aider son mari. C'est ça l'islam, c'est ça aussi la responsabilité. Maintenant, je ne rentre pas dans cette histoire de communauté de biens, séparation de biens. En islam, le principe de communauté de biens n'existe pas. C'est haram, c'est illicite, c'est interdit. Voilà, ça a amené aujourd'hui l'hypocrisie, les assassinats, les tueries, les meurtres. Parce que on a fait communauté de biens, alors maintenant il faut profiter pour tuer l'un ou l'autre selon celui qui gêne, quoi. Voilà, et puis on prend la place. Voilà, il y a eu plusieurs cas comme ça, des cas où on a eu connaissance, dont on a eu connaissance. Je n'en parle pas là-bas. Et puis c'est de l'hypocrisie, au fait. C'est une sorte de braquage même conjugal. Mais pour se respecter, il faut communiquer. Il faut communiquer avec la femme. Quand ça ne va pas, il faut pouvoir échanger en toute discrétion, en toute confidence. Il ne faut jamais étaler vos problèmes de foyer sur la place publique. La femme ne doit pas aller expliquer ses problèmes conjugaux à ses parents, ni à ses sœurs, ni à ses frères. Son premier confident, son premier complice, c'est son mari. Si la solution n'est pas trouvée là maintenant, on peut envisager d'aller vers des gens crédibles, dignes de confiance, des gens intègres. Mais la moindre difficulté, le téléphone est là maintenant avec les WhatsApp, les autres là. Même si le papa se trouve au pôle Nord, on l'appelle le frère, la sœur, pour leur soumettre les problèmes conjugaux. Ce n'est pas être responsable pour la femme, de même pour l'homme. Regarde ce que le prophète nous a dit, le pire des hommes devant Allah le jour du jugement dernier au plan conjugal, c'est celui qui va avec sa femme, qui la satisfait, et elle aussi qui le satisfait, et puis il va étaler leur intimité sur la place publique. Toi, tu iras en enfer. Mais combien sont là qui vont s'asseoir dans les grains, dans les cafés, pour dire, ma femme, là, mon vieil, elle est comme si. Même la complimenter que ma femme est bien au lit avec moi seulement, c'est un péché. C'est une intimité qui se gagne. En plus forte raison, aller s'asseoir pour dire, oh, celle-là, elle n'est pas au top, elle n'est pas comme si. Là, alors, tu sais pas à quel niveau de l'enfer tu iras. Parce que celui-même qui va étaler le bon même de leur intimité, là, lui, il va en enfer. Il est châtié. Parce que le professeur n'a pas fait la distinction entre le bien et le mal. Il dit l'intimité seulement. Il ne faut pas exposer.
Donc, il faut pouvoir échanger avec sa femme. Ce qui n'est pas bon en elle, il faut pouvoir vous accommoder, vous entraider. De la même manière, ce qui n'est pas bon en l'homme, la femme doit pouvoir lui être une bonne conseillère. Mais, surtout, l'homme doit être humble, la femme doit être soumise. Pour que la femme soit soumise, cela est dépendant de l'humilité de l'homme. Parce que l'orgueil masculin, souvent, nous empêche de demander même pardon à nos femmes. De présenter excuse. Je peux faire un test ici tout de suite là. Et puis on n'a qu'à craindre Allah. Qui a une fois dit à sa femme pardon à cause d'Allah, à cause de Dieu, Wallahi, pardonne-moi, j'ai tort pour tout ce que je sais. Pardonne-moi. Si on dit de lever les doigts ici, il y en a qui ne vont pas lever. Il y en a qui ne vont pas lever. Mais un homme doit pouvoir, ça dit, c'est pas être faible, au contraire, c'est une grandeur d'âme que de dire à sa femme. Parce que là, tu dis pardon à autre dehors. Ta copine, ta concubine, ton amante, au dehors, quand elle est fâchée, tu mets tout en œuvre comme une, c'est-à-dire toute la diplomatie mensongère pour lui dire pardon. Tu fais dépôt sur son compte. Tu lui envoies des cadeaux, tu envoies des émissaires, des intermédiaires, des médiateurs pour lui demander pardon parce que toi et puis ta concubine là, ça ne va pas. Tu es prêt à tous les sacrifices, même à ramper, même à faire à aboyer comme un chien, si elle te dit d'aboyer pour avoir son agrément. Mais ta femme que tu as épousée, c'est elle qui mérite que tu lui dises pardon. Donc l'homme doit être humble pour pouvoir dire pardon à sa femme. Et quand c'est comme ça, ça soumet naturellement, facilement la femme. C'est-à-dire, elle se voit soumise. Elle ne se soumet pas. Elle se voit soumise. Parce que l'homme est humble. Soyons humbles. L'orgueil masculin ne doit pas nous habiter quand on est avec une femme. Parce que nous ne sommes pas supérieurs à elle. Nulle part dans le Coran, il est dit que l'homme est supérieur à la femme. Il est dit seulement que la responsabilité est confiée à l'homme. C'est comme un président de la République. Il n'est pas mieux que les autres citoyens. Il est seulement... il a un privilège, une distinction. Le juge n'est pas président, là. Sa valeur revient à la même valeur que les autres citoyens. Un chef de classe n'est pas le meilleur de la classe. Pour dire qu'il est supérieur aux autres, c'est une distinction. C'est de cette façon qu'il faut voir la responsabilité de l'homme dans le foyer. Mais si nous prenons la masculinité comme une supériorité, c'est mal comprendre la sagesse divine. La masculinité n'est pas la supériorité, c'est une responsabilité, c'est une distinction, c'est une faveur, c'est un privilège. Nous devons tenir ça en tête. Maintenant, le mariage aussi, on ne finit jamais de se connaître. Bon, je vais arrêter. Ils m'ont dit d'arrêter dans 5 minutes. Je pense qu'il est l'heure. Je vais devoir arrêter. Sinon, on peut ne pas manger ici. On n'est pas forcé de manger ici pour m'empêcher de parler. Je ne vous empêche pas de manger. Ne m'empêchez pas de parler aussi. Et donc, comme je le dis, lorsqu'on est dans un foyer, c'est au jour le jour, au fur et à mesure du temps qu'on se découvre. Tu vas vivre 10 ans en concubinage, en copinage, dans l'irrégularité avec une femme, une dame, une fille. Vous n'allez pas découvrir certaines choses. Vous allez toujours vivre en vous acceptant. Souvent même, il y a des choses impardonnables que vous vous pardonnez au passage. Et pendant 10 ans, vous supportez. Mais les mêmes personnes vont régulariser leur situation en se mariant, les querelles pour des choses insignifiantes vont apparaître. Des choses énormes qu'eux-mêmes toléraient parce qu'ils étaient dans le péché. Non, bébé, ça fait rien, c'est pas grave, faut pas tenir compte de ça, ne te lamente pas pour ça, ne te tourmente pas pour ça, ne te chagrine pas, ne t'attriste pas. On trouve les beaux qualificatifs. Voilà, pour dire, bon, j'ai pardonné, hein, bon, moi, je suis sans façon, la femme comme l'homme, hein, parce que là, bon, c'est le rêve, c'est la rêverie, c'est l'illusion. Mais quand on remet pied sur terre, on se marie, véritablement,
Ce que tu pardonnais pendant un mois, en une seconde, tu dis non, ça, non, non, ça, non. Tout sauf ça, ça c'est de la foutaise. Oh, on ne peut pas pardonner ça. Ma femme va me faire ça. Là, maintenant, c'est ma femme. Sinon, ma copine va me faire ça. Non, on supporte. Non, mon copain va me faire ça. On supporte. Mais quand c'est mon mari, on dit on ne supporte pas. Parce que vivre ensemble amène beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on ne connaissait pas. Parce que l'homme, il est tel que lui-même, il ne se maîtrise pas. Quand on aime une femme, tant qu'on ne l'a pas eu, quand on aime un homme, tant qu'il ne nous a pas épousé, il y a des choses qu'on s'efforce de cacher. Avec beaucoup d'efforts. Mais quand on est marié, ça nous échappe. Et c'est là que l'épreuve commence. L'homme va découvrir en la femme des choses qui pourraient le décevoir. La femme va découvrir en l'homme des choses qui pourraient la décevoir. Mais c'est là maintenant que tout se joue. Si vous voulez secret de foyer maintenant, là, c'est là où on est arrivé. C'est pas quand tout baigne dans l'huile, on cherche secret. C'est pas quand on est dans le meilleur, on cherche secret. C'est là où on broie du noir. Là où on est à l'étroit. Là où on est dans le pire. C'est là maintenant on voit qui est vraiment homme, qui est vraiment femme. Parce que lorsque nous découvrons quelque chose en notre conjoint, ça va faire appel à notre sens de responsabilité, surtout à notre esprit d'engagement. Pourquoi je me suis marié avec elle? Pourquoi je me suis marié avec lui? L'objectif qui nous a amené à nous mettre ensemble pour nous marier là, c'est là maintenant on sort ça du tiroir avant de prendre une décision malencontreuse. Avant de dire, je me prie d'elle, je me prie de lui, je prends l'objectif qui m'avait amené vers lui, vers elle là. Je mets ça devant. Un mariage n'est pas forcément, l'enfantement n'est pas forcément la réussite d'un mariage. On a vu des mariages partis en éclats parce que l'homme et la femme sont mariés il y a beaucoup d'années, 2, 3, 4, 5, 6, dizaines d'années. Même, ils ont passé 20 ans, 30 ans, jusque-là, pas un seul enfant. Et souvent, ça rend leur mariage terne. L'homme n'est plus content, il n'est plus joyeux, la femme non plus. L'enfant est un accessoire du foyer, il n'est pas la finalité. Nous devons retenir ça. On peut vivre heureux avec une femme et un homme sans enfant, comme on peut vivre malheureux avec beaucoup d'enfants. L'enfant est un accessoire. Et Allah nous le dit dans le Coran, compte tenu du temps, je vous donne les références coraniques. Chapitre 42, Sourate Shura, la consultation, versets 49 et 50. Allah dit, il donne des enfants garçons, filles seulement à qui il veut, ou une seule fille, pas plus. Il donne des garçons à qui il veut, sans garçons, filles dedans. Il les ménage, il rend des gens inféconds, infertiles, stériles. Et on peut citer plusieurs cas d'exemple, mais on va passer sur ça à cause du temps. Donc le fait de ne pas avoir d'enfant ne doit pas assombrir un foyer. Parce que sans enfant, vous vous êtes aimé. Sans enfant, vous avez fixé un objectif à atteindre. Donc l'enfant ne doit pas, par sa présence et par son absence, vous divisez. L'enfant même n'est pas là. Vous êtes divisé parce que c'est lui que vous désirez. Mais Allah peut vous donner un enfant handicapé. Un enfant dont vous allez souhaiter la mort parce que ce n'est pas ce que vous attendiez. Mais c'est un enfant quand même. Et donc, l'enfantement, le manque d'enfantement ne doit pas être votre focalisation pour créer la dissension. Et par là, j'interpelle les parents. Mais la femme, il faut la laisser. Elle ne nous donne même pas de petits-enfants, de cousins, de neveux, de nièces. Et l'homme, là, il est impuissant. Les parents de la femme prennent position derrière leur fille. Les parents de l'homme prennent position derrière leur fils. On dit la femme est stérile. On dit non, l'homme est impuissant ou bien il est infertile. Non. Ils se sont aimés. Vous avez accepté de les accompagner. Laissez-les. Comme une fusée qui s'en va, là. Les moteurs la projettent. Et puis après, les moteurs tombent, la fusée continue son évolution. Vous les avez accompagnés, laissez-les avancer.
Deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est quand il y a un problème. Souvent, tu t'en vas acheter un appareil. On dit France au revoir, on dit non testé. Tu achètes un appareil à 20 000. Ça te plaît tellement, tu l'achètes quand même. On dit c'est pas bon, tu dis j'achète quand même parce que ça me plaît. À 20 000, tu achètes un appareil. Tu vas voir un réparateur, il dit pour réparer là, il y a telle pièce à changer, telle autre, telle autre, telle autre, telle autre. Tu dis ça fait combien? Il va te faire le devis. Tu vas trouver les pièces à changer là. Ça va te revenir peut-être à 20 000. Tu payes. Tu t'en vas, ça ne marche pas, tu ramènes. Il dit non, il y a ça là qui ne va pas. Ou bien tu vas chez un autre réparateur. Au bout du temps, un appareil acheté à 20 000 pour qu'il te soit vraiment utilisable, utile, et que tu sois satisfait au point même que tu montres aux gens, tu as vu ça là. Ça, c'est mon joyau, hein, c'est mon chouchou. Mais en tant que tu as payé à 20 000, mais pour que ça te soit vraiment ce que tu veux là, tu vas dépenser presque 60 000 dessus, le triple du coût d'achat. Tu es prêt à te sacrifier pour que ça te soit serviable. Un être humain qu'on t'a donné, un être humain à qui on t'a donné, vous les êtres humains à qui on vous a, qu'on vous a unis, si tu prends un homme, ce que tu vois en lui qui n'est pas bon, fais le même sacrifice pour qu'il devienne comme tu veux, mais avec douceur, respect, communication, courtoisie. C'est vice-versa de l'homme aussi à la femme. Mais on ne se lève pas du coup, c'est une fuite en avant, c'est une irresponsabilité qui te dit que si moi je savais qu'il y avait ça dans toi, je n'allais pas te prendre. Tu blesses la personne. Tu vois, même ce n'est pas volontaire de la part de la personne. Donc dans le foyer, au-delà de la communication, il faut la compréhension, il faut l'indulgence, il faut la tolérance, il faut l'endurance, il faut aussi surtout la clémence et la compassion. Quand ton conjoint souffre, il faut souffrir avec lui. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas le délaisser. Il faut être là quand il faut. C'est très important pour que le foyer dure. L'amour seul ne fait pas durer un foyer. Le foyer ne tient pas qu'à l'amour. Même les Blancs disent qu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. On vit bien, on s'aime, on est dans un appartement confortable, on mange bien. Ce n'est pas ça seulement l'amour. Ça, c'est mariage d'amour. La raison n'est pas là. Le petit bobo, vous ne résistez pas. Or, le mariage, pour qu'il dure, il faut la tolérance, la patience, mais surtout le pardon et l'indulgence. Et quand tu es à bout de souffle, que tu dois arriver à l'irréparable, je termine sur ça. Chacun de nous ici doit penser au jour où il a dit pour la première fois, où elle a dit pour la première fois, je t'aime, je suis prêt pour toi. On va s'unir en mariage pour de beaux jours, mais aussi pour les jours difficiles. Pense à ces jours. Pense au jour où on vous a dit, on vous a déclaré unis en mariage. Mais aussi pense au beau monde. Des deux côtés, des deux familles où les gens se sont réunis pour vous célébrer, pour vous acclamer, pour laisser éclater leur joie de vous voir mariés. Pense à ce jour. Pense à cet honneur. Mais en même temps aussi, pour se donner une bonne longévité conjugale, un homme, une femme, quand tu es tenté de quitter le foyer, de déserter le foyer, d'aller au divorce, faut te forcer toujours pour te donner une raison de garder le foyer et non un prétexte pour gâter le foyer. C'est très important. Moi qui vous parle là, j'ai 4 femmes, 14 enfants, 7 filles, 7 garçons. En attendant, si Allah n'avait pas limité les femmes à 4, je continuais jusqu'à la gare. Mais vous pensez que je parle là? Des gens vont s'asseoir et vont dire, mais lui, la façon, il pense que ces femmes sont au beurre, lui, il est au beurre. Hey, souvent, il y a un bamba, hein? Mais on est dedans. Souvent, on vient vous tenir de bons discours, de bons discours. Vous êtes charmé. Vous êtes charmé, vous êtes édifié.
Mais après, pour moi, là, après ici, là, il y a Rambar chez moi, là-bas. C'est ce que les jeunes disent, il y a Rambar. Ça dit, je quitte ici, là. Je vais m'asseoir, je dis, madame, je suis arrivé, il faut t'asseoir. Voilà, on me casse une table maintenant. En temps, si ça trouve qu'elle m'a assisté même en direct, elle m'a dit, mais c'est pas toi qui parlais comme ça. J'ai parlé comme ça. Maintenant, je vais faire comme si. On gère. Et puis, quand on joue le match, quand j'ai tort, je parle. Quelqu'un qui ment, il ne peut pas parler publiquement. Il va dire, faut pas dire à quelqu'un. Mentir, c'est comme ça. Moi, quand c'est chaud là, Imam Berthe, il dit, madame, pardon, Yachi. Wallahi, tu as raison, pardon. Il faut me pardonner. Même, bon, souvent aussi, les femmes, quand il a dit pardon, haïa, c'est gâté. Donc, à ce moment-là, mais toi-même, tu es obligé de dire, mais je t'ai dit pardon, il y a quoi même? Tu es obligé de faire comme ça, il m'a dit, mais crie sur moi doucement. Faut crier doucement. Mais, moi, je demande pardon. C'est pas, je ne veux pas dire que je suis le bel exemple, mais je veux dire que ce n'est pas être faible que de dire à sa femme, bébé, pardon, tu as raison. Pardon, à cause d'Allah, à cause de Dieu, pardon. Faut pas m'humilier, faut pas me, pardon. Madame, toi aussi, il faut être humble, il faut dire, j'accepte ton pardon. C'est très important. Donc, comme je dis, donnons-nous toujours une raison de maintenir le foyer, de ne pas le laisser aller à la dislocation, au divorce. Donc, il ne faut pas gérer ton foyer, l'intérieur, avec les principes et les paroles de dehors. N'écoute pas les commérages, les colportages, les bavardages, les paroles de dehors. Chaque foyer est unique. Ne gère pas ton foyer à l'image d'un autre foyer. Surtout quand c'est mauvais. Quand bien même c'est bon, quelqu'un qui a voiture, qui a tout, la femme ne doit pas forcer son mari à en faire autant. Une femme qui a tout, l'homme ne doit pas forcer sa femme à aller dans ce sens. Sinon, elle va aller tricher et puis avoir l'argent venir t'entretenir avec ça. Donc, soyons raisonnables, soyons égaux à nous-mêmes, soyons naturels. Soyons sans façon, mais soyons indulgents, compréhensifs et surtout, donnons-nous toujours, je le répète, donnons-nous toujours une raison de ne pas divorcer. Ne cherchons pas des prétextes, des alibis pour divorcer. Ah non, ça là, il faut qu'il la laisse. Au lieu de là, il a mis trop de piment dans la sauce. Non, ça, je ne peux pas la garder. C'est un prétexte. Ah, il a dit bonjour à une dame. Une collaboratrice, une collègue de travail, non, celle-là, il me trompe, je m'en vais. Non, donne-toi toujours, madame, une raison de garder ton mari et de rester avec ton mari. Monsieur, donne-toi toujours une raison. Force-toi, mens-toi, oblige-toi, violente-toi pour dire, ma femme, là, je la garde. Demain, pour la femme, je reste avec mon homme. Mais il ne faut pas aller dans les artifices pour quitter le foyer. Le foyer tient à deux choses. Essentiellement, un, la compassion, mais surtout le pardon. Si on a pu adopter ces deux états d'esprit, il y a de fortes chances que la sagesse nous habite et qu'on aille plus loin, même si on n'a pas d'enfant. Mais on vieillit ensemble. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous soutienne. Qu'Allah bénisse ce foyer et qu'Allah aide tous ceux qui les ont aidés à réaliser ce rêve et qu'Allah nous en donne la pleine récompense ici-bas et dans l'au-delà. Sur ce, je vais laisser le micro compte tenu du temps. En d'autres temps, si nous avons un temps assez large, nous allons donner beaucoup de détails avec notre petite expérience que nous avons de la vie, de la gestion conjugale, des problèmes conjugaux. Il y a beaucoup de choses. Mais on ne peut pas tout dire en même temps. On dit un peu et puis on laisse le reste après. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.